Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous présenter le coffret Phineas and Ferb de Perry Files en édition DVD distribué par Walt Disney et sorti en magasin le 5 juin 2012. La série suit les aventures de deux demi-frères nommés Phineas et Flynn et Ferb Fletcher qui vivent dans la petite ville de Danville en Virginie et veulent s'occuper pendant leurs vacances d'été. Il y a également leur sœur Candice qui est, elle, hantée par leurs idées et leurs inventions et elle appelle régulièrement leur mère pour lui montrer les activités des garçons, mais elle n'y arrive jamais. Pendant que Phineas et Ferb redoublent d'efforts pour faire de chaque journée la plus belle de leur vie, mais le mal n'est jamais très loin, mais les citoyens paisibles de Danville peuvent dormir sur leurs deux oreilles car aujourd'hui, les deux personnages principaux fouillent les archives top secret de l'OSAS, qui est une organisation sans acronyme sympa, et également les dossiers de Perry. Donc, Perry, l'ornithoringue, alias l'agent P, vit des aventures trépidantes contre son pire ennemi, le docteur Doofenshmirtz, et avec ses super gadgets, ses talents surprenants et son inimitable chapeau brun. Mais rien n'arrête ce mammifère ovipare semi-aquatique amateur d'action. Donc, ce coffret, parce qu'à la base, la série Phineas and Ferb est une série télé. Et ici, on nous présente un coffret comprenant certains épisodes de la série. Donc, ici, on a 7 épisodes sur ce coffret. On retrouve Perry l'ornithoringue contre Denis le lapin et ainsi que Journée au spa. On a dédoublement de personnalité ainsi que congé maladie. On a Candice déconnecté ainsi qu'artiste incompris. On a la clé diabolique ainsi qu'un ornithoringue peut en cacher un autre. On a également comme autre épisode Cloué au lit ainsi que La grande virée. On a Perry, star de la pub, ainsi que Candice se trompe de cible, ainsi que Prisonnier volontaire, et ainsi que Fromage Land. Donc, c'est les 7 épisodes qui sont compris sur ce coffret. Le coffret est disponible en anglais et en français. Et on a également une copie digitale qui est inclue dans le coffret, mais qui est en anglais seulement. Donc, si je vous montre rapidement le contenu du coffret, on retrouve ici, on a comme des mini-jeux, comme des autocollants, des aimants. On a également une carte postale et un petit casse-tête qui est inclus dans cette petite pochette ici. On a le DVD du film ainsi que la copie digitale qu'on retrouve également dans le coffret. Donc, ceci complète ma petite présentation. Et comme à l'habitude, il va y avoir une critique détaillée qui sera disponible prochainement sur mon site. Donc, je vous invite à venir y faire un tour régulièrement. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.